Voici une vision que j'ai eue avant-hier et hier. Et moi, souvent, quand j'ai une vision, je demande souvent à Dieu de me la répéter pour que je sois sûr que c'est lui. Voici une vision que j'ai eue. J'ai vu une fille qui avait un vélo. Elle était très intelligente parce que ce vélo, c'est elle qui l'avait créé. Et puis j'ai vu une autre, elle avait une moto. Cette moto, c'est elle qui l'avait créée. Et puis j'ai vu un mécanicien qui avait créé un moteur. Mais il ne savait pas trouver la carrosserie pour ce moteur. Et j'ai vu un autre designer qui avait un bon design d'une voiture, mais qui n'avait pas de moteur. Celle qui avait fait le vélo, ce n'était pas un vélo parfait. Celle qui avait fait la moto, ce n'était pas une moto parfaite. Et celui qui avait le moteur cherchait la carrosserie. Et celui qui avait le design cherchait le moteur. Et chacun d'eux était insatisfait dans sa création et dans sa quête. Et je voyais cela. Des personnes intelligentes, mais qui échouent parce qu'elles doivent se faire compléter l'une par l'autre, mais qui refusaient. Et puis j'ai vu quelqu'un venir auprès de ces personnes et leur dire: vous n'êtes pas fatigué de cette situation. Vous n'êtes pas fatigué de cette situation. Vous n'êtes pas fatigué d'être dans un pays aussi béni, mais d'être aussi pauvre. Vous n'êtes pas fatigué d'être dans cette grande nation, mais être pauvre, alors qu'il y a des pays qui n'ont même pas le 1/1000 de ce que vous avez, mais qui vivent dans le confort. Qu'est-ce que Dubaï a? Qu'est-ce que Singapour a? Vous avez tout pour réussir, mais vous échouez. Vous n'êtes pas fatigué de cette situation. Alors lorsque cette personne a parlé, ces personnes ont décidé de se mettre ensemble. Lorsque chacune d'elles travaillait, c'était de petits rêves. C'était le rêve d'une moto, d'un vélo, d'une voiture. Mais au fond d'elles, il y avait un plus grand rêve. C'était de construire une navette spatiale qui peut aller habiter dans le soleil. Et puis j'ai vu ces intelligences se mettre ensemble. Mais j'ai vu d'autres personnes qui n'étaient pas parmi les quatre venir. Et ces personnes parlaient beaucoup de langues. Et Dieu m'a dit: ce sont vos frères qui sont allés à l'étranger, qui doivent revenir pour bâtir leur nation. J'aimerais parler aux Camerounais qui sont à Paris, qui sont aux États-Unis. L'Amérique s'est déjà faite. La France s'est déjà faite. L'Angleterre s'est déjà fait. Faites ou fait. Faites hein, ou fait, comme tu veux. Mais le Cameroun a besoin de votre expertise. Prenez ce que vous avez appris là-bas. Venez investir dans votre pays. Venez investir dans votre pays. J'aime la chaîne YouTube d'un Camerounais, je ne connais pas son nom. Ça s'appelle Investir au pays. Je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Et je ne te connais pas, mais que Dieu te bénisse. Avance, continue. Il donne aux Camerounais le désir de revenir dans leur pays pour faire des affaires. Ça te sert à quoi de revenir, de nous montrer des belles photos aux États-Unis? Ce n'est pas toi qui as fait les États-Unis. De faire des belles photos, tu es à Paris. Ce n'est pas toi qui as bâti. Mais viens bâtir à zéro ici. Revenez, revenez. Rares sont les Africains qui deviennent des milliardaires en Europe, mais tu peux devenir milliardaire dans ce pays. Rares sont les Africains qui deviennent des multimillionnaires en Europe, mais ici tu peux devenir multimillionnaire. Faut-il que tous nous puissions jouer au football, au basketball pour réussir en Europe? Venez ici commencer des hôpitaux. Venez ici
arranger les routes, faire qu'il y ait l'eau et l'électricité partout. Venez ici donner cours à l'université. Venez ici. Et j'ai vu, lorsque ces personnes se sont mises ensemble, elles ont pris le vaisseau jusqu'à atteindre le soleil. C'est quoi le soleil? C'est le plein développement. C'est quoi le soleil? C'est atteindre le but de Dieu pour votre nation. Parce que Dieu ne vous a pas donné toute cette richesse en vain. Il y a un but. Vous devez devenir une grande nation au cœur de l'Afrique. Pas seulement dans le domaine du football. Vous n'êtes pas que des footballeurs. 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 On ne doit pas dire Camerounais veut dire football, pas seulement ça. Vous pouvez plus que cela. Vous pouvez créer des avions. Vous pouvez créer des voitures. Vous pouvez, vous pouvez, vous pouvez, vous pouvez. Donne-moi la main. Et vous devez faire des études en fonction des réalités de votre pays. Des fois, vous faites des études, permettez-moi entre guillemets, inutiles. Tout le monde médecin, tout le monde médecin, tout le monde médecin. Un pays de médecins. Allez apprendre l'élevage. Allez apprendre l'agriculture. Allez apprendre l'élevage. Sortez de l'orgueil. Tu as des diplômes et tu es pauvre. Tu as des diplômes et tu es pauvre. Tu as des diplômes et tu es pauvre. Allez apprendre comment transformer le bois. Allez apprendre comment faire des routes avec des pierres. Allez apprendre à développer votre nation. Faites des études en fonction des problèmes de votre pays. Au lieu d'avoir que la fierté, j'ai 7 doctorats. Qu'est-ce que ton pays fait de tes doctorats? Et la Bible dit, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour étudier, il y a un temps pour travailler. Si votre travail c'est seulement étudier, il y a un temps d'arrêter d'étudier pour travailler. Il y a un temps d'arrêter d'étudier pour travailler. Parce que si vous êtes des éternels étudiants, les étudiants ne développent pas le pays. Les Américains, frères, n'ont pas beaucoup de diplômes. Tu arrives aux États-Unis, tu serais étonné. Tu trouves un Américain, il ne connaît même pas c'est quoi le Cameroun. Il ne connaît que les États-Unis. Il est éleveur. Il a des vaches. Il a des plantations. Vous connaissez les cow-boys. Ce sont des hommes pratiques. Ils connaissent bien une chose, mais ils s'enrichissent en faisant la seule chose. Aujourd'hui, nous avons des téléphones. Nous avons des Mac. Ces jeunes, comment ils sont devenus? Certains même ont arrêté les études. Je ne vous dis pas d'arrêter les études, mais je vous explique quand même. Ils sont allés dans un garage pour bouleverser le monde. Tout le monde veut avoir Facebook. Tout le monde veut avoir un iPhone. Ils se sont concentrés sur une chose. Tu as un diplôme, tu n'en as rien fait, tu ajoutes un deuxième. Tu n'en as rien fait, tu ajoutes un troisième. Tu n'en as rien fait, et puis tu meurs. C'est ça. Vous allez manger quoi? La fierté. Vous mangez la fierté. Votre pays va se développer avec la fierté. Comment on peut mourir de faim avec une terre aussi fertile? Où on peut jeter même une graine et demain ça pousse. Comment on peut mourir de faim? Comment vous pouvez avoir des hôtels simples comme ça? Avec ce que j'ai vu, si là-bas vous développez mes frères, mais c'est extraordinaire. Vous avez tout pour réussir, mais vous devez vous mettre ensemble. Vous avez tout pour réussir, mais vous devez être humble, l'humilité. Vous avez tout pour réussir. Vous devez être pragmatique. Pragmatique. Tu sais, nous les hommes, quand on coupe la barbe, il y a un principe. Une fois que tu as fini ce que tu avais prévu, il faut prendre la tondeuse, tu la déposes. Tu sais pourquoi? Parce que si tu ne la déposes pas, tu vas tout enlever. Il y a toujours envie de continuer. Vrai ou faux? Les études aussi, c'est comme ça. Un doc, des docs, trois docs. 4 docs, 20 docs, 10 docs, 70 ans, 90 docs. Tu n'as pas de maison. Tu n'as rien fait. Bravo. Mais après.
tout cet argent que tu as investi pour avoir 10 doctorats, tu ne peux pas avoir même 2. Le reste, tu mets dans un business et puis tu aides la société. Qu'avoir seulement la gloire, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 80. Et puis ça fait quoi? Aux États-Unis, ils ont compris cela. Dans certaines universités, lorsqu'on veut apprendre le business, on ne cherche pas quelqu'un qui a des diplômes. On cherche quelqu'un qui est devenu riche. On dit, viens nous apprendre comment on devient riche. Parce qu'il y a un cours qu'on ne donne pas à l'université et à l'école, comment avoir l'argent. Alors que les gens vont étudier pour avoir l'argent. Peut-être pas toi. Qui étudie pour ne pas avoir l'argent? Qui étudie pour avoir l'argent? Mais il n'y a pas le cours de l'argent. Mais quelqu'un qui a réussi dans la vie peut donner le cours de l'argent. Quitter les théories, entrer dans la pratique. Sinon, des petits pays qui n'ont pas ce que vous avez, étant pragmatiques, vont vous dépasser et vont vous dominer. Et voici l'image que je vous donne. Est-ce qu'on peut me donner... Ah, le drapeau est là. J'ai besoin de 4 frères de la sécurité. 4 frères de la sécurité. Seulement 4. Tenez ça. Et j'ai besoin d'un frère de la chorale. Tenez ça comme ça. Qui est le plus fort de vous tous? Lui, il est fort. Frère, toi, tu es ici, premier. Tiens, lui, vous n'avez jamais joué ça à l'école, hein? Tiens ses hanches. Tenez ses hanches. Un frère de la chorale. Non, pas toi, sécurité aussi là-bas. Tu vas faire les arracher les drapeaux. Faites tout qui n'arrache pas les drapeaux. Regardez la vision, l'image que je vous donne. Ça, ce sont vos ennemis, les amis, les ennemis du Cameroun qui ne veulent pas que votre nation se développe. Ce sont les ennemis de vos familles qui ne veulent pas que vous vous développez. Lui, au lieu de chercher de l'aide, il dit « J'ai besoin de personne. Je vais vaincre. » Essaye. Qu'est-ce qu'il a? Il a besoin de quoi? Un autre frère vient l'aider. Lui quitte l'Italie, il vient l'aider pour construire les routes. Un seul d'abord. Ok, il vient de l'Italie, il vient l'aider. Essayez encore. Ça ne marche pas, ça ne marche pas. Qui va venir des États-Unis pour venir l'aider? Venez encore. Ne leur laissez pas, parce que la vie est difficile. Amen, hein? Ils doivent mériter. Ça ne marche pas, ça ne marche pas. Ok. Qui va revenir de Paris pour venir les aider? Est-ce que vous êtes en train de comprendre, hein? Seul, tu ne vaincras pas, mais tu as besoin de l'autre. Tu as besoin de l'autre. Tu as besoin de l'autre. Le problème reste le même, mais on peut devenir plus nombreux. Allez, gagnez-nous ça! Unissez-vous dans les familles! Unissez-vous! Vivez dans l'unité! Vivez dans l'unité! Et vous allez déplacer les montagnes! Vivez dans l'unité! Vous allez briser vos limites! Vivez dans l'unité! Et vous allez franchir vos limites! Et ceux qui résistent à un... va résister à 2, va résister à 3, mais ça ne va pas résister à 4, ça ne va pas résister à 5, ça ne va pas résister à 10. Mettez-vous ensemble, vous allez changer l'économie, changer la politique, changer vos familles, changer vos églises, changer les affaires. Mettez-vous ensemble, sortez de la tribalisme, sortez du tribalisme, des divisions, quittez ces choses, mettez-vous ensemble. Unissez-vous! La Bible dit deux valent mieux qu'un! Deux valent mieux qu'un! Deux valent mieux qu'un! Jésus pouvait venir sur cette terre et dire je n'ai besoin de personne, mais il avait 12 apôtres. Tu as besoin de tes frères, tu as besoin de tes sœurs, tu as besoin des autres, vous avez besoin des autres. Alléluia. Levez les mains.
Fall again. Le Seigneur m'a dit ce soir de prier pour les Joseph de leur famille. De prier pour les leaders de leur famille. Il y a des gens qui vont chercher le diable pour sauver leur famille. Tu n'as pas besoin de cela. Tu as besoin de l'onction divine. La puissance de Dieu est ici. Commence à bénir le Seigneur pour sa parole. Les Joseph des familles vont recevoir une onction. Les Esther de leur famille vont recevoir une onction. Les David de leur famille vont recevoir une onction, une bénédiction. Oh, ça a déjà commencé. Protocolaire, faites attention. Et Dieu va passer par toi pour bénir. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Père Tout-Puissant, au nom de Jésus, je prie que tu touches ces leaders dont tu m'as parlé. Quiconque ici est un leader dans sa famille et est appelé à le devenir. Que ta main le cherche et le trouve. Que ta main le cherche et le trouve. Là où tu es, là où tu es, là où tu es, là où tu es. Leader, leader, que l'onction de Dieu vienne sur toi. Leader, 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 recevez cela. Amenez-le ici. Là où tu es. Que la puissance de Dieu te trouve, que la puissance de Dieu te trouve, que la puissance de Dieu te trouve, que la puissance de Dieu te trouve. Au nom de Jésus, amenez-le ici, amenez-le ici. Leader, leader, toi qui es un David dans ta famille, toi qui es un Joseph, tu as un fardeau pour ta famille, tu as toujours un souci pour ta famille. Que la puissance de Dieu te touche, reçois cela. Le Seigneur te bénit pour devenir une source de bénédiction. Le Seigneur te délivre pour amener la délivrance. Le Seigneur t'élève pour amener l'élévation. Parce que Dieu commence toujours quelque part. Leader, là où tu es, reçois, 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 recevez. Rablasse, amana, amana, amana. Chorale, venez m'aider. Je prie que le feu du Saint-Esprit te touche. Le feu du Saint-Esprit. Dis avec moi, Jésus, me voici, touche-moi, 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 que cela t'arrive. Fire, 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 fire. Dieu est passé par David afin de bénir ses frères. Dieu est passé par Joseph. Attention là-bas, la fille. Dieu est passé par Joseph afin de bénir ses frères. Que la gloire de Dieu vienne sur toi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, reçois cela. Que tes limites soient brisées. Que tes limites soient brisées. Pas le droum. Que tes limites soient brisées. Que tes limites soient brisées. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. David, où tu es? Que tu sois derrière ou devant, qu'importe, si ta destinée se joue aujourd'hui, l'onction va te toucher. Prends, 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 prends. La rama, mama, 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 mama. Tu es en train de recevoir une bénédiction transgénérationnelle. Ça ne va pas rester sur toi. Ça va descendre sur les autres. Ça ne va pas rester sur toi. Dieu est en train, au travers de toi, de briser les limites de ta famille.